Des civils armés remarqués dans plusieurs endroits à Port-au-Prince, jeudi 19 septembre. En début de la journée du jeudi 19 septembre, des individus lourdement armés ont été remarqués dans certains quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Cela a été le cas au boulevard Harry Truman, non loin de Village de Dieu et à Bas-Delmas. Des vidéos circulent sur les réseaux sociaux, des citoyens s'inquiètent, armes à feu en main, cagoulés. Une dizaine de jeunes défilaient entre Delmas 18 et Delmas 16, quartier contrôlé par Jimmy Cerisier alias Barbecue, ancien policier et membre d'un groupe armé de la zone. Certains d'entre eux plaçaient des pneus et des barricades pour obstruer la circulation sur l'autoroute de Delmas. La scène a été filmée discrètement par un riverain, Gadon Pays. Oh, quel pays! NDLR lance avec désolation un autre citoyen à la fin de la séquence. Cette scène s'est déroulée à quelques mètres du quartier général du corps d'intervention et de maintien d'ordre, CIMO, et des locaux de l'inspection générale de la PNH. Se trouvant entre Delmas 4 et Carrefour de l'Aviation. Durant toute la journée, plusieurs automobilistes qui fréquentaient l'endroit ont été rançonnés. Le journaliste Watson Désir a fait d'ailleurs une publication sur Facebook après avoir vécu un moment de panique. Dieu merci, je suis sorti sain et sauf. C'était une imprudence de ma part. A-t-il écrit, à peu près au même moment, sur le boulevard Harry Truman, au bicentenaire, les hommes armés de Village de Dieu offraient leur spectacle. Juste en face du bâtiment Lodgent, le bureau de l'électricité d'Haïti aide un individu muni d'une arme lourde qui se réclame de « bas 5 secondes » enregistrer une vidéo. Sur les images parvenues à la rédaction, on voit et entend des jeunes qui courent s'abriter alors qu'un camion de police se trouve à quelques mètres, pas de véhicule, ni de motocyclette. Encore moins de piétons, de théâtre national jusque devant le parc de Port-au-Prince, l'endroit était quasi désert ce jeudi 19 septembre. Le bicentenaire se présentait comme une zone livrée aux bandits armés qui ne cessent d'y régner en maître et seigneur. Parallèlement, une autre vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre plusieurs boîtes de cartouches étalées sur un lit et d'autres empilées sur le sol, à visage couvert, un homme montre les munitions, d'autres discutent entre eux. Tout près, une arme de calibre T-65 est également visible. Des images qui ont suscité des émois sur la toile et provoqué un sentiment d'inquiétude chez des citoyens. À la veille d'une journée de mobilisation gouvernementale prévue ce vendredi, pour ce jeudi, Port-au-Prince a offert un visage pâle. S'il est vrai qu'une reprise timide des activités est constatée dans certains endroits de la région métropolitaine, les parents quant à eux ont préféré garder leurs enfants chez eux jusqu'à présent. Pour ne pas les exposer au danger, source Loop TGTV Canada News pour Top Groove.